sommet de l'obtention de son indépendance en 1960, le Bénin travaille pour la création d'un véritable État-nation. Ce projet d'unification des communautés et ethnies qui s'impose la pacification du territoire, dont les civilisations ont été aussi grandes que diversifiées, compte sur les efforts des anciens et surtout ceux des héros comme Bienzin, Kaba et Burguera. L'enjeu est grand et de sa réussite dépend le développement du pays. Mais pour ce développement, il y a des défis à relever. Et le plus important de nos jours est l'extrémisme violent. CESPAG Barak Barou, c'est un centre de formation en art griotique à Parakou qui se veut un centre de transmission de savoir griotique. Et qu'est-ce que le savoir griotique? C'est le savoir puisé de l'oralité ancestrale purement dédiée aux griots. Les activités du CESPAG Barak Barou, ce centre de formation à Parakou, sont portées par l'association Parole d'Afrique. Donc, l'association Parole d'Afrique, au sein d'elle, a des activités comme le festival, la formation. Et dans le cadre du festival, nous parlons du Festival des arts griotiques qui a déjà 4 années d'édition. Donc, ce festival a pris corps depuis 2016 à nos jours. Et ce festival réunit les griots de la sous-région, les griots du Bénin, les griots de partout du Bénin. Donc, prenant des griots du Barouté en particulier, c'est des griots qui, entre-temps, n'avaient pas connu une grosse visibilité en matière de l'oralité ancestrale, de l'oralité traditionnelle griotique. Nous avons remarqué qu'à Parakou, c'est seulement ceux qui sont à Parakou qui bénéficient de la formation au centre de sauvegarde griotique, CESPAG Barak Barou. Mais quand on va un peu dans nos communes, le besoin se fait sentir. Mais les formateurs aussi sont limités parce qu'ils ne sont pas outillés pour transmettre ce savoir-là de façon technique. Alors, l'association Parole d'Afrique, après ce festival des arts griotiques, a pu identifier des griots détenteurs qui peuvent vraiment transmettre le savoir avec la jeune génération dans nos localités. Et c'est ainsi qu'on a pu installer ce réseau des griots où dans chaque commune, nous avons des points focaux. Dans chaque arrondissement, nous avons des cellules des griots et nous identifions aussi un responsable. Donc du coup, le point focal au niveau communal essaie de coordonner avec les responsables de cellules à niveau arrondissement. Donc c'est ainsi que l'idée d'installation des foyers d'interprétation en savoir et en pratique d'art griotique est née. Et tandis que dans l'association Parole d'Afrique, nos moyens sont limités, nous avons fait notre démarche vers l'Union économique monétaire ouest-africaine pour des recherches de subventions d'accompagnement financier. Et ce qui a été accordé, et nous avons après ça lancé le projet. Et après le lancement du projet, nous avons identifié les formateurs et nous avons procédé à la formation des formateurs, leur installation. Nous avons procédé aussi au suivi des formations dans les communes déjà ciblées. Donc aujourd'hui, les bénéficiaires à la formation au niveau de nos foyers de transmission de savoir dans les communes ont été invités pendant le festival Ouest-Africain des arts griotiques édition 2023 à Parakou et ils ont fait la restitution de ce qu'ils ont reçu durant une année. Cet élan par lequel l'humanité s'exprime reconnaît aux griots leur place dans la société actuelle comme cela se faisait au temps des systèmes royaux.
Chers griots, mesdames et messieurs, la communication de ce matin qui a porté sur le projet de l'installation des foyers d'interprétation en savoir et pratique griotique sont pour nous, en tant que membres des forces de défense, d'une importance capitale. Parce que tout le monde le sait au Bénin, depuis quelques années, notre pays, le Bénin, surtout dans sa partie septentrionale, est dans une situation d'insécurité inquiétante. Et on dit, quand dans une société, il y a un problème qui naît, la société doit s'asseoir et demander quel peut être le rôle de tout un chacun des membres de cette société pour arriver à bout de ce problème ou pour lui trouver des solutions. Le rôle du griot, c'est qui le griot? Et quand nous on était petits, tout petits, quand le griot passait partout, nous on devait le suivre. Parce que d'abord, il y a la voix, il y a le rythme. Pour nous, peut-être, même si on ne comprenait pas grand-chose, mais cette ambiance qu'il se met, c'est ça qui nous attirait. Mais au fond, le rôle du griot, hier comme aujourd'hui et surtout pour demain, doit être revu, renforcé. Et c'est pourquoi je tiens à dire un grand merci à l'association Parole d'Afrique. Merci donc pour ce rôle capital que vous jouez, que vous entendez approfondir et jouer davantage. Parce que vous devez le savoir, nous vivons aujourd'hui une période au Bénin qui n'est pas des plus et agréable. Comment faire? Et le griot, lui, il connaît la sensibilité de sa société. Il connaît et quand est-ce qu'il faut parler, comment parler et à qui parler pour qu'il y ait un impact dans la société. Donc, se demander quel sera le rôle du griot dans la lutte contre l'extrémisme violent, je crois que en temps réel, c'était son apanage même d'ailleurs. Le griot, c'est lui, c'est son bol. Aujourd'hui, quand nous allons, nous voyons notre jeunesse, quand nous voyons notre population, nous nous disons, il y a quelque chose qui manque. Il y a cette prise de conscience qui manque et qui doit le faire. C'est celui qui sait le faire qui doit le faire. Et qui sait le faire, c'est le professionnel de la parole. C'est le professionnel de ce qu'on appelle le savoir. Et celui qui détient ce savoir, qui sait le transmettre, c'est le griot dans nos sociétés. Qu'il prenne donc son tam-tam. Qu'il prenne donc son gong. Qu'il racle sa gorge et qu'il s'en va à la guerre. À la guerre contre l'inconscient. À la guerre contre les défiances et que la société retrouve ses noblesses. C'est une occasion pour moi de vous appeler à poursuivre, à se professionnaliser, car l'association a identifié des professionnels de la profession pour votre renforcement de capacité. N'hésitez pas à demander des questions, des préoccupations dans le sens de se parfaire, de parfaire votre production. Le griot qui, en temps, devait faire le louange du roi aujourd'hui, doit aussi contribuer à un changement de comportement. Mesdames et messieurs, le temps s'en est déjà allé, je ne serai pas trop long. Je tiens franchement à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette activité. Il y a eu la mise en place des foyers de transmission des savoirs et pratiques griotiques. Les sociétaires de ces foyers ont bénéficié des initiations aux arts du griot. Ils ont reçu la transmission de ce patrimoine culturel immatériel à travers des formations diverses. La pratique des connaissances et savoirs acquis a fait d'eux des artisans de l'animation artistique et socio-communautaire
organisés dans les villes et villages des communes de Niki, de Kandi, de Pereré, de Sidandé et des Landes. La sensibilisation des jeunes pour l'adoption de comportements sains et la responsabilisation des anciens pour le suivi et le contrôle des jeunes servent de menu pour ces actions de terrain du projet Barobo. Ces activités de terrain ont illuminé l'éclat des acquis de ce projet qui rayonne avec la formation des griots et le spectacle géant grand public organisé dans le cadre du Festival des arts griotiques de 2022. L'éducation de l'homme, la reconnaissance des arts comme médium pour conscientiser les esprits et créer des prédispositions pacifiques dans les cœurs représente des alternatives fiables que le projet a explorées avec succès sur initiative de l'association Parole d'Afrique et de Parler Noir. Cet apport substantiel n'a été possible que grâce au soutien des partenaires techniques et financiers qui ont très vite apprécié à sa juste valeur la pertinence du dit projet. Chères autorités, chers décideurs, chers participants, permettez-moi de rappeler un peu l'objectif du festival FAG. En initiant ce festival des arts griotiques,
le coordonnateur Seydou Barassounan et son équipe ont voulu restaurer l'art de la parole agissante en donnant à l'oralité toute la reconnaissance d'entretemps, tout en célébrant le griot qui est détenteur de la parole, dépositeur de l'histoire des communautés, porteur de la paix et du vivre ensemble. Cette année, le festival reprend. Il s'agit pour le comité d'organisation de ce festival de procéder à l'installation des foyers d'interprétation des savoirs et pratiques griotiques qui favoriseront la transmission de ce patrimoine immatériel. Nous voulons que les griots, à travers leur casquette de porteurs de messages, arrivent à régler certains problèmes sociaux pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. Chères autorités, chers décideurs et chers participants, il n'est pas facile de réunir les femmes et hommes autour d'un idéal commun, malgré l'importance qu'on peut s'y accorder et la disponibilité dont l'on pourrait en témoigner. Il est également difficile, et plus difficile d'ailleurs, de mettre les têtes pensantes pour arriver à fonder une organisation performante, solidaire et dynamique, afin que l'humanité en tire profit. Merci aux institutions qui nous ont fait confiance. Du haut de cette tribune, je dis merci beaucoup à l'UEMOA, la Séculture, l'Institut français et toutes les presses qui nous accompagnent, sans oublier tous les autres sponsors. Les sociétaires de l'association Parole d'Afrique se déterminent à relever d'autres défis de développement et de rayonnement culturel avec d'autres projets aussi pertinents. Nous tenons déjà à remercier tous les différents partenaires techniques financiers dans le cadre de l'exécution de ce projet et les remercier au nom de tous les griots, tous les membres de l'association Parole d'Afrique et leur dire encore que nous avons toujours besoin de leur accompagnement pour aller plus loin parce que quand nous parlons des griots, ce n'est seulement pas le Borgou, c'est la Libori, c'est l'Atakora, c'est le centre et c'est tout le Bénin. Donc, nous vous remercions.